société de conseil et d'ingénierie d'assurance opérant sur le marché depuis plus de 18 ans, la Protectrice Assurance se présente comme un acteur majeur dans son secteur d'activité. La société est dirigée par M. José Kwasi Simenou, un professionnel avéré du secteur des assurances capitalisant plus de 30 ans d'expérience et jouissant d'une expertise inégalée pour avoir été à la tête de 3 compagnies d'assurance. La Protectrice Assurance est une société de conseil d'ingénierie d'assurance. Lorsqu'un assuré ou quelqu'un veut prendre l'assurance, il va s'adresser directement à notre société pour que la société l'aide à prendre la bonne assurance, à prendre les bonnes garanties, dans la mesure où celui qui vient prendre l'assurance est un profane, ce n'est pas un professionnel, de manière à ce que les garanties qui lui sont vendues soient de très bonnes garanties et qu'il puisse également l'assister lorsqu'il y a un sinistre. Et tout ça, c'est des prestations gratuites. Avec un service après-vente de qualité, la Protectrice Assurance et son équipe de professionnels se positionnent aux côtés des particuliers et des entreprises pour les accompagner, les conseiller et les guider dans le montage de la gestion de leur programme d'assurance. La Protectrice Assurance a plusieurs atouts. Le premier atout, c'est une société togolaise mais à vocation panafricaine. Nous sommes là pour aider notre pays à développer son économie. Le deuxième atout, c'est une vieille société. Depuis l'an 2000, ça fait bientôt 20 ans que cette société existe. Et donc cette société connaît le marché. Et le troisième atout, qui n'est pas des moindres, qui est d'ailleurs l'atout le plus important, c'est l'expertise que cette société a de par les personnes qui animent la vie de cette société. Société à vocation panafricaine, la Protectrice Assurance est déjà présente au Togo et au Bénin et ambitionne d'étendre ses filiales dans 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale à l'horizon 2025. La valeur ajoutée que nous apportons à nos clients est avant tout significative parce que, en matière d'abord de conseil, en matière de suivi des dossiers et surtout la valeur ajoutée, c'est le service après-vente, c'est-à-dire lorsque un sinistre survient à un de nos clients, il faudrait que nous puissions tout faire pour que le client puisse être indemnisé. La Protectrice Assurance contribue positivement à l'évolution du marché grâce à sa politique et sa démarche innovante. Il y a une innovation d'ordre d'abord commercial parce que la Protectrice, depuis 2017, que cette société est sous ma gouverne, nous communiquons beaucoup, donc c'est dans le domaine commercial une bonne communication. Maintenant, il y a une innovation d'ordre technique. Généralement, le courtier n'est pas seulement intermédiaire, mais nous faisons de l'audit du portefeuille. C'est-à-dire que lorsque vous avez déjà des assurances avec une compagnie d'assurance, nous proposons aux entreprises de faire l'audit de leur portefeuille. Ça suppose que nous prenions toutes les polices, que nous voyions si, n'est-ce pas, les garanties qui sont vendues sont adaptées. Et puis, la troisième innovation, nous essayons d'être à l'écoute de la clientèle, d'être à l'écoute des besoins, c'est-à-dire, nous ne sommes pas assureurs, certes, mais nous concevons des produits, ou nous habillons des produits, et nous faisons des propositions aux assureurs qui prennent le risque, de manière à ce que ce soit un produit qui soit proche de la population. La Protectrice Assurance, l'assurance d'être bien assuré.